Avec le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, beaucoup de nouveaux visages vont débarquer à Santiago Bernabeu dès cet été au mercato et des cadres présents depuis plusieurs années vont également changer d'air. Une bonne nouvelle vient de tomber pour Zinedine Zidane et le Real Madrid. Le Real Madrid dispose d'un budget record de 500 millions d'euros pour recruter cet été lors du mercato et Zinedine Zidane se préparerait à modifier profondément son effectif pour la saison prochaine. Cependant, Luka Modric semble bien décidé à poursuivre l'aventure avec le club madrilène, interrogé par la chaîne officielle du club. Espagnol suite à la victoire face à l'Athletic Bilbao 3-0 et son troisième e match sous le maillot des Merengues, l'international croate de 33 ans a ouvertement assuré qu'il voulait disputer son match de plus à Santiago Bernabeu. avant de poursuivre. Tout ce que je peux dire, c'est « Je suis très heureux et plus qu'heureux de tout ce qui m'est arrivé depuis mon arrivée au Real Madrid. » Régulièrement annoncé à l'Inter Milan, le ballon d'Orevis champion du monde, 2018 ne compte donc pas quitter la formation madrilène. Surtout avec un retour sur le banc de Zinedine Zidane. Reste toutefois à savoir si Zizou et le Real Madrid, qui compte procéder à un refonte du groupe actuel, voudront garder Lucas Modric. Affaire à suivre donc.